Yo les gars, c'est une autre. Dans cette nouvelle vidéo, on va random des fruits au gacha. On commencera par le premier monde, puis le deuxième, et pour finir, on ira carrément à la troisième mer. Je me suis toujours posé la question, dans quelle mer on peut avoir les meilleurs fruits? Une fois, j'étais allé au premier monde afin de random, et j'ai eu l'opportunité de random un fruit de dragon. Sauf qu'à ce moment-là, il n'était pas très important que ça. Ben ouais, logique. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'une des fruits les plus recherchés de tous les joueurs de Bloxfruit. Donc si durant les gachas, j'ai l'opportunité d'avoir un fruit de dragon, je vais le donner directement à quelqu'un parce que moi j'en ai déjà une. Mais pour cela, il va falloir déjà que je commence par aller en serveur public. Enfin, on arrive à la jungle. Déjà, plus fruit, comme d'habitude. Il a un fruit? Ouais, le fruit de light. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même random. Si on a un fruit, on va lui donner. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors on va random, qu'est-ce qu'on aura? Oh non, Rocket. Ah ouais, vraiment, j'ai pas random un bon fruit pour une première. Vas-y, tiens, cadeau pour toi. J'espère au moins que tu seras satisfait. Ok, j'attends que tu dis merci. Vas-y, dis merci. Dis merci. Même si tu ne l'as pas mangé, tu as quand même gardé ton fruit light. Please, better fruits. Wesh, personne n'est satisfait. Hein. Allez, maintenant on est au deuxième monde. J'espère vraiment que je vais random un meilleur fruit parce que j'ai quand même attendu 2 heures pour ça. Alors, qu'est-ce que je vais random? Oh, pas mal, Flame, le fruit de flamme. Franchement, j'ai attendu 2 heures pour ça, mais je pense que ça valait le coup. Alors, on va chercher quelqu'un pour lui donner. Attendez, attendez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le veut? Ah, je crois que ce gars-là, là, il le veut. Vas-y, tiens. Non, il s'est barré. Il s'est barré. Wesh, viens, viens, viens. Vas-y, tiens. Cadeau pour toi. Et hop. Oh, wesh. Hackerman. Un hacker. Il s'appelle Ripshido. Oh là là. Il est déjà en train de bouffer le fruit. Là, il se dit dans sa tête, mais là, je suis bien, je suis bien. Ça veut dire, là, je suis bien. Si au deuxième monde, j'ai eu un beau fruit, j'espère vraiment que je vais avoir un meilleur fruit qu'au deuxième monde. Allez, on va faire le random. Qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, Ice. Pas mal du tout. Je pense que c'est moins cher en fait que la flamme, hein. Mais c'est pas mal du tout. Mais il va falloir juste que je trouve quelqu'un en fait à qui je peux le donner ce fruit. Est-ce qu'il y a des gens ici? Je crois qu'il y a des gens là-bas. J'ai vu quelqu'un se déplacer de façon très rapide. Mais je pense aussi que c'est hacker. Ouais, il se déplace. Wesh, mais il est rapide. Hein. Je pense qu'il est en train de auto-farm de façon bien soignée, tranquille. Il va falloir juste que je me rapproche et je pose le fruit juste à son côté. Enfin, à côté de lui, quoi. Ah, il est en train d'auto-farm de façon bien soignée, mais on s'en fiche. En plus, il a le fruit de Ice sur lui, clairement. Vas-y, on va le poser par terre. Normalement, s'il a une auto-farm, ça veut dire automatiquement qu'il va le récupérer. Vas-y, on va le poser ici. J'espère vraiment qu'il va venir le récupérer. Hey yo, quelqu'un est venu le récupérer, mais c'est qui? Il s'appelle Zoro. Hey, mais il a volé le fruit, Zoro. Wesh. En fait, dans ce cerveau, il n'y a que des hackers partout où je vais. J'avais tellement la flemme de marcher que j'ai préféré m'asseoir ici sur ce bateau. En fait, c'est tellement soulageant et reposant de s'asseoir sur ce bateau. Nous voilà de retour au premier monde. J'espère vraiment que cette fois-ci, je vais avoir plus de chance que la première fois. Un Kitsuniseur transformé qui se trouve au premier monde. Je sais même pas ce qu'il fait ici. Il a même pas besoin de fruits. On va random déjà pour ceux qui en ont besoin. Allez, on random Sand. En fait, le fruit de sable, c'est pas mal. Ça fait passer au sable de Sahara. Il y a ce gars-là qui me suit depuis tout à l'heure. Il est level 131. Le fruit de roquette, je pense que je vais lui donner à lui parce qu'il en a vraiment besoin. Par contre, faut que je le ramène vers ici. Vas-y, tiens, tiens, tiens. Prends-le rapide avant que l'autre le prend. Voilà. Let's go. En plus, étant donné qu'il avait le fou de roquette, il va le bouffer. Ah, il est en train de le bouffer, wesh. Let's go. Nice. C'était une très bonne idée de lui donner le fruit, mais il a même pas dit merci. Il fait déjà des attaques, il se prend déjà pour Crocodile, comme s'il était sur One Piece. Mais enfin, bref, étant donné qu'il a pas dit merci, vas-y, une petite attaque pour la route. Allez, cadeau, comme ça tu vas die. Ici au deuxième monde, je random toujours des bons fruits. Tout à l'heure, j'avais random le fruit de la flamme. Donc, du coup, cette fois-ci, on va random peut-être un meilleur fruit. Le fruit de Ice, le fruit de la glace. Franchement, il est pas mal du tout, mais la flamme, c'était mieux que ça. En fait. Tiens, toi, t'es le premier venu, donc du coup, cadeau. En plus, t'avais le fruit de Light sur toi. Ah ouais, bah, ça te fait 2 fruits le gear. Après avoir attendu pendant 2 heures, nous revoilà enfin au troisième monde. J'espère vraiment que je vais random un meilleur truc que tout à l'heure, parce que j'avais random de la D tout à l'heure. Donc, cette fois, ça va être quoi? Magma! C'est vraiment pas mal! Maintenant, on peut se faire passer pour Akainu afin d'utiliser le fruit de la lave. Bon, par contre, qu'est-ce que je vais en faire? Si je le laisse par terre, ou soit je le donne à lui? Vas-y, on va le donner peut-être à lui. Vas-y, cadeau, cadeau, vas-y, tiens. Oh, il avait écrit plus fruit! Incroyable, j'ai carrément pris shot, wesh. Troisième random au premier monde. Donc, j'espère que vraiment cette fois-ci, je vais avoir un meilleur truc que ce que j'ai eu. Alors, qu'est-ce que. 14 minutes! Oh là, je dois attendre 14 minutes pour ça? Ah, mais c'est long 14 minutes, wesh. A few moments later. Let's go, maintenant, je peux en faire random. Alors, j'espère vraiment que les 14 minutes, ça valait le coup. Qu'est-ce que... Oh non, bombe! Frère, j'ai attendu 14 minutes pour une... Tiens, tiens, voici quelqu'un qui cherche un fruit. Alors qu'il a le fruit de light, il me demande plus fruit. Mais bon, étant donné que je suis généreux et que j'ai un fruit de bombe sur moi, je pense que ça vaut le coup de lui donner. Déjà que c'est pas un fruit ouf.
Mais peut-être que il sera quand même content. Franchement, c'était gentil de sa part de ne pas dire merci, hein. Franchement, je retiens. Pour l'instant, tous les randoms que j'ai fait au deuxième monde, je n'ai pas été déçu. J'espère vraiment que cette fois-ci, je serai pas encore déçu. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y aura? Oh, Love! Franchement, pour l'instant, c'est le meilleur fou que je random. J'ai pas random meilleur fou que celle-ci, hein. Bon, je vais le drop ici pour le premier qui viendra le récupérer. Oh, non, je le store. Non! Oh shit, pourquoi je le store? Un petit random au troisième monde ne ferait pas de mal à personne. Sauf qu'il y a déjà des rares qui m'attend, donc on va random rapide. Oh, non, spin, wesh. Comment j'ai pu random spin? La dinguerie. C'est une dinguerie de random souffrir. On va le laisser par terre, le premier qu'il prendra, c'est le premier. Hey, il s'est pas passé un truc là? Il est revenu dans mon inventaire? Non, il s'est passé un truc là. Attends, on va le reposer. Ok. Oh, Omar. Il s'appelle Omar. Ah, je l'ai chopé. Ah, mais c'est lui, Omar, il est quand même là. Mais pourquoi il active son PVP? Je crois qu'il va falloir que je mette une sword parce qu'il va vouloir se battre ou soit m'attaquer. Et étant donné qu'il est hacker, c'est sûr qu'il va me... Quich. Ah, mais il fait des attaques normales, ça veut dire que le gars, il est conscient en fait. Je pensais qu'il était AFK. Ok, vas-y, on l'attaque. Un petit combo, tranquille, de façon bien soignée, vas-y, hop. On fait ça, super humain, voilà. Et au lieu de même petit X de super humain, voilà, nickel. J'espère vraiment qu'il va pas revenir. De toute façon, les mobs là, ils peuvent pas m'attaquer parce que j'ai pris le fruit de shop exceptionnellement pour ce moment. Franchement, je ne savais pas du tout qu'il allait m'attaquer. Déjà qu'il a volé mon fruit et il ose en plus de ça m'attaquer. Ça valait pas du tout le coup de le laisser m'attaquer. Oh, par contre, lui là, il faut qu'il arrête de m'attaquer parce que depuis tout à l'heure, je pense qu'il essaie de me tuer. Il pensait vraiment qu'il allait avoir un titre. Ah, you can reroll for me. Je crois qu'il veut un fruit lui. Il a quel fruit? Le fruit de roquette. Ah ouais. Vas-y, on va lui random un fruit et j'espère vraiment que cette fois-ci, je vais avoir un bon fruit au premier monde. Depuis tout à l'heure, je random que de la D. Allez. Lights! Grave, il a trop de la chance! Non mais wesh! Je pense qu'il voulait le fruit de shop. Mais déjà, il devrait être content pour ce fruit. Vraiment, parce que le fruit de light, c'est vraiment le meilleur fruit qu'on peut random au monde. Pour une fois que quelqu'un a dit merci, non mais de rien. De retour au deuxième monde pour venir random. Et cette fois-ci, j'espère que j'aurai un meilleur truc que le fruit de love. Let's go, acheter. What? Oh, sound! Vraiment une dinguerie! Oh là! Franchement, combien j'en ai? Ah, j'en ai 4. En plus de ça, je peux même pas le store, même si je le veux. Lui, il est level max et il a déjà un beau fruit pour PVP. Je vais essayer de trouver quelqu'un qui n'est pas level max pour lui donner ce fruit. J'espère vraiment que je vais trouver quelqu'un qui n'est pas level max. Bon, je vais équiper le pal scarf. J'espère que je trouverai quelqu'un. Ok, lui là-bas, wesh, mais lui, il est level max. Pourtant, il a pas beaucoup de bounty que ça, hein. Franchement, au niveau de bounty, je sais pas comment il a fait, mais. On va se déplacer d'ici pour aller voir des personnes qui sont en train de farm. Vas-y, let's go, on va aller au Winter Castle. Ice Castle, le château de neige. Donc j'espère... Ah non, il y a personne ici en fait, non? Et moi qui voulais dire que j'espérais qu'il y avait des gens. Il y a personne. On va changer d'endroit. Vas-y, on va aller ici. Non, il y a personne ici. Wesh, c'est une dinguerie. On va aller ici. Ah mais en fait, dans ce serveur, il y a personne qui est ici en train de farm en fait. Moi qui veux donner ce fruit à quelqu'un qui farm. Vas-y, c'est pas grave. Je vais le donner à la communauté. Petit capture d'écran. Let's go. On va le mettre dans le serveur. On va faire un petit giveaway vite fait. One eternity later. Ah, il s'appelle Azashi. Azashi vient de gagner. Vas-y, bravo Azashi. Allez, Azashi, tiens ton cadeau. J'espère au moins que ça te fera plaisir. Prends-le vite avant que Hacker le prend. Sinon, tu seras déçu. Go réaliser notre cinquième random au troisième monde. Étant donné que j'ai déjà réalisé partout et ça va être le dernier. Et j'espère que j'aurai un bon truc. Qu'est-ce que j'aurai? Rocket! Wesh! Je sais qu'au début j'avais random Rocket au premier monde. Mais quand même pas au troisième monde. En plus, c'était le dernier. Non, je suis pas d'accord. Il faut falloir que je random. Même si je vais attendre 2 heures pour ça. 2000 years later. Nous revoilà 2 heures plus tard. J'espère vraiment que ça valait le coup d'attendre ces 2 heures et que c'était pas une perte de temps. Parce que j'avoue que j'étais quand même déçu d'avoir random rocket. Vas-y, on va refaire. Let's go. Qu'est-ce que j'aurai? Non! Rocket! Encore! Encore une fois! Non mais en fait, il ne venait jamais random au troisième monde. En plus, je ne peux même pas le mettre dans mon store étant donné que j'ai déjà mis le premier Rocket. J'ai essayé de réaliser 5 fois le gacha entre le premier, le deuxième et le troisième monde. Mais comme vous avez eu un aperçu de ces randoms, c'est le deuxième monde qui est l'endroit qu'on peut avoir les meilleurs fruits. En plus, il y a un extrait que je n'ai pas mis dans cette vidéo, mais j'avais random encore une fois le fruit de Pain au deuxième monde. Et j'avoue que Pain, ça coûte très cher. Sur ce, si vous avez kiffé ce concept, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo, mais aussi à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2 de cette vidéo. Sur ce, moi je vous dis ciao, on se retrouve dans une prochaine vidéo.